Hey, salut à tous, on se retrouve pour regarder un petit montage d'Yerry King. C'est parti! Yerry King, bon, c'est dans le nom, vous connaissez peut-être. Trop fort. Voilà. Point faible. C'est une folie. Va se faire cancel, non? Ah non, mais il y va quand même en fait. Il bait sur le stream en fait. Oh là là! Mais ça se joue à une frame! Il a tout tempo au droite gauche pour éviter le maximum d'auto. Plus le flash. Bah, qu'est-ce que tu fais? En vrai, avec Lux, tu rates un sort, t'es mort. Sachant qu'avec Irelia. Non mais il tue deux. Avec Irelia, bah c'est assez facile à dodger si tu joues correctement. Avec ton Q quoi. Ça me terrifie, c'est qu'il a balancé un E, j'ai regardé comment il faisait. Son E est parti de gauche à droite, je l'ai vu mettre un Z vers l'avant en même temps, genre, hein, j'ai pas compris. En fait, il va tellement vite à casser E qu'il peut faire un autre truc en même temps, limite. C'est une folie. Ça doit être trop chiant contre Trindade en vrai. Ça doit pas être vivable. En vrai, qui est vivable contre Trindade? Oh oui, il n'y en a rien à branler. Ah ouais. Ah ouais, dès que t'es devant, en fait, c'est tout droit, peu importe le moyen. On regarde, on avait vu une vidéo qui disait que Lux, bon, tu peux être sous ta tour, t'es safe. Bah, pas tant que ça, finalement. Hein. Pas tant que ça. Bon, faut quand même être Yerry King pour faire ce genre de truc, mais... Bon, il n'y a pas que lui qui le fait, évidemment. Bon, il a quand même récupéré le CS, c'est bon. Il savait qu'il allait mourir. Et vu qu'il fait crash une wave, en vrai c'est worse pour lui hein. C'est une folie l'enchaînement. Tu vois il était propre hein. Tu vois il était vraiment propre. Ok en teamfight. Je trouve que c'est un des champions qui peut être le plus dur en teamfight Irelia. Des champions comme ça, en fait beaucoup mêlés avec beaucoup de... Bon, en fait il est pas tant tanky que ça et t'as pas le droit à beaucoup d'erreurs. Si tu rates un Q, bah tu l'as pu. Tu vois, faut que tu gères tes stacks. Mais en même temps, si c'est bien joué, tu peux tellement faire la diff. C'est incroyable. Ok, ça Irelia, c'est si serré. Là, il l'a surpris sur le passage de niveau 6. Hein. Genre, il était à rien, il l'a vu, bam. Il est passé niveau 6 instant. Il la flash en plus. Pour être sûr de toucher. Il avait envie de tuer. Hein. Quand t'es en 0-0 comme ça, tu passes niveau 6. S'il y a un moment où il faut flash, bah flash en fait. C'est une dinguerie. Le fait qu'il laisse toujours un CS pour se barrer après, c'est incroyable. Ah, j'avais vu ça. Comment il a réagi, genre. Il l'avait turbo arraché, genre. Mais t'as deux niveaux de retard, qu'est-ce que tu fais là? Attends, mais je me pose une question là. Bon, d'accord, il a mis sa marque sur l'Herald avec son E. Et du coup, il a pu récupérer un dash. Genre pourquoi il a récupéré un dash là? Y a pas un dash de trop? Attendez. C'est-à-dire que là, il E en premier avec l'Herald. Ok, il avait bien E l'Herald. Et après là R. Et ça a R l'Herald aussi, du coup il y a deux marques. C'est une folie, c'est un détail, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est grâce à ça qu'il peut switch et stacker ses Q.
Il fait Kyoto, Kyoto. Oh, comment tu t'en sors là de ça? Ma mama. Oh mama. Oh mama. Bah tu meurs. C'est tellement clean ce qu'il fait. Oh là là. Mon dieu. Mais il balance tous ses stars comme ça, c'est... Ouais, là, j'ai trop d'un coup, là. Ouais, c'est le E qui a lancé, ouais. Il était incroyable, son E. Ok. Il n'y a pas grid d'Orakan. Bah, joue, il a œil. Eh, ça reste close, hein. Il avait deux niveaux d'avant, je crois, sur Illaoi. Comment ça, c'est close autant que ça, genre? En fait, le champion a besoin tellement de mécanique pour pouvoir être... ne serait-ce que au niveau des autres. Après, si t'es vraiment extrêmement bon, bah t'es un peu au-dessus, quoi. C'est vrai, bon. Il est vrai qu'avec la mobi qu'il a, tu peux quand même te permettre certaines choses que certains champions pourraient pas. Il a précasse le R sur un timing pixel. Oh là 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 là, mais quel homme. Qu'est-ce qu'il fait hein? Il va réussir à toucher un E. Il va bait un E. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il s'est E sur lui-même. Il y a la dash dedans du coup. En plus le frérot il s'appelle Max Verstappen. Je suis une Formule 1. Technique, technique. Technique celle-là l'équipe. Wow. Quand tu mets un Q en caméra lock. En vrai, ça doit être horrible le champion en caméra lock. Bon, c'est bien champion en caméra lock, ça doit être insupportable, Irelia. Force à ceux qui font ça. Hein. Ah bah c'est quand Max. Salut Max. Qui survivent à ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Même si t'es devant, t'as des moments où t'as pas le droit, juste. En vrai, il est tellement clean, c'est cool. Ouah, c'était fluide en fait. Genre, il descendait une fois. Ouah, t'arrêtes le clip ici. Bizarre. On lui a flashé. Ça rattrape. Quoi? Mais le E il était loin là. Il vient de loin. Hein. Vas-y, slow mo, hein. De toute façon. Le champion il peut dash à l'infini, frérot. Ok, c'est fini. Doucement, doucement la musique. Moi, je Eric King, bah enfin. Sur une autre planète quoi.